Je pourrais vous dire peut-être quelques mots en introduction d'abord sur Desk Russie. Vous savez que Desk Russie a été créé maintenant il y a cinq mois, euh, dépasse assez largement maintenant euh, les milliers d'abonnés, euh, est une publication réalisée euh, uniquement euh, par euh, des bénévoles à l'initiative de Galia Ackerman, qui est sa directrice de la rédaction, euh, de Nathalie nouguered de beaucoup d'autres ici présentes et de moi-même qui suis le directeur de la publication de, d'Esque Russie. Nous avons choisi ce soir d'entamer un débat qui est un débat sur un sujet peut-être banal, mais je crois absolument essentiel, en quoi la Russie constitue une menace directe, immédiate, brutale, j'ai envie de le dire, pour l'Europe et au-delà de l'Europe, pour le monde. J'ai envie de répondre à cette question avant de laisser la parole à Galia par une simple remarque qui est tout simplement que si la Russie est peut-être si dangereuse et si immédiate, c'est de notre faute. Tout simplement parce que nous ne l'avons pas prise au sérieux. Nous n'avons pas considéré pendant trop longtemps le régime russe, et je devrais dire d'ailleurs à chaque fois, excusez-moi si de temps en temps j'oublie de le faire, le régime russe, le régime de Poutine, parce que ce n'est certainement pas de la Russie dont nous voulons parler, ce n'est pas la Russie, entité intemporelle, qui d'ailleurs n'existe que dans les songes, ou dans les mythologies historiques, ou dans les romans nationaux réécrits à la gloire de certains, mais parce que tout simplement le régime russe, tel qu'il est depuis la fin de l'année 1999, lorsque Poutine est devenu Premier ministre, puis à partir de 2000, lorsqu'il est devenu président, n'a qu'un seul objectif qui s'est progressivement affiné avec le temps, certes, qui est la destruction fondamentale des valeurs de liberté, des valeurs de droit, des valeurs de justice et des principes de dignité des sociétés démocratiques. Et ce combat nous menace, nous directement, ici en France, menace, menace l'ensemble des États européens et au-delà de cela, on va certainement développer tout ceci, menace aussi le fonctionnement des organisations internationales et du droit international. On pourrait parler, on va en parler tout à l'heure, des nombreux vétos, 16, si ma mémoire est bonne, que la Russie a opposé au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent à toutes les actions en Syrie pour sauver le peuple et elle a voulu par les crimes de guerre qu'elle a commis en Syrie montrer que ses valeurs de droit, de liberté ne devaient pas selon elle avoir cours sur la scène internationale. Et je crois que comprendre la Russie c'est une expression commune et c'était le titre de notre premier éditorial d'ailleurs. C'est pas comprendre la Russie euh, comme cette espèce de grande entité historique euh, ou sociale euh, qui nous fait parcourir les steppes euh, et l'histoire euh, jusqu'à euh, Catherine euh, la Grande ou euh, Pierre le Grand, etc. Mais je crois que c'est ce sont des actions très précises du régime et c'est également une idéologie qui s'est également constituée petit à petit qui vise véritablement les valeurs principales des sociétés libres en leur cœur. Cette menace prend donc des formes multiples. J'ai évoqué la Syrie tout à l'heure, peut-être parce que pour moi c'est un sujet qui, pour une série de raisons, me tient à cœur depuis le début. Nous sommes depuis plus de dix ans et demi en guerre. Ou plus exactement, nous avons une guerre que Bachar al-Assad mène contre son peuple avec l'appui du régime russe et de l'Iran. Et fait qu'on oublie trop souvent la Russie elle-même, le régime russe, les armées russes plus exactement, sous le commandement bien sûr euh, du chef Poutine, a commis plus de crimes de guerre, c'est-à-dire plus d'assassinats de civils syriens volontaires, délibérés, délibérés, en visant les écoles, en visant les hôpitaux, en visant les marchés, en visant les cours de récréation que même Daesh. Je crois que il faut avoir cette réalité à l'esprit. Il faut la comprendre pour saisir aussi ce que ça représente. Alors, bien sûr, ça représente d'abord en termes de vie humaine. Chaque vie humaine compte. Mais comme offensive brutale. On va parler tout à l'heure certainement également de la guerre en Ukraine, de la guerre contre l'Ukraine. Et bien sûr, de l'annexion de la Crimée. Mais cette guerre au cœur de l'Europe, à trois heures de Paris en avion, a déjà fait plus de 14 000 morts, 1,6 million de déplacés. Et cette guerre, aujourd'hui, les journaux n'en parlent pas, continue. On me rappelait tout à l'heure, dans une discussion euh, avant que de commencer cette réunion, ce débat entre nous, qu'encore euh, la semaine dernière, cinq Ukrainiens avaient été tués là-bas, en, en, en Ukraine. Et je pourrais parler de la Géorgie. Vous avez peut-être lu euh, récemment l'arrêt euh, de la Cour européenne euh, des droits de l'homme qui f a fait état dans son jugement Géorgie contre État russe des exactions commises lors de la guerre de 2008, des crimes de guerre. Là aussi, on pourrait parler du soutien du régime russe au dictateur du Bélarus. Loukachenko qui réprime son peuple d'une manière incroyablement brutale. On pourrait parler des actions en Transnitrie. Il faudra bien sûr aussi parler de l'Afrique. Ou encore ces jours-ci, on le voit, la société de mercenaires Wagner, accusée des pires atrocités dans plus d'une vingtaine de pays, est prête, semble-t-il, à signer un accord avec le gouvernement malien. Tous ces exemples pourraient les multiplier. On devrait parler également, on en parlera. Des assassinats ciblés sur le sol européen. Et pendant ce temps, nous détournons le regard. Et c'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'avoir laissé faire. Certains, je dois dire, et je leur rends hommage, cet hommage post mortem, m'avaient vu juste dès les premières exactions 1999-2000, seconde guerre en Tchétchénie, sur lesquelles. Euh, Évidemment, ceux qui disaient la vérité, on le sait, notamment Anna Politovskaya, Natalia Estemirova et tant d'autres ont payé de leur vie de dire la vérité. Eh bien, cette guerre s'est traduite par un nombre de crimes de guerre inqualifiables, qui ont servi d'ailleurs de schéma répliqué après, en Syrie, par les forces russes. Et donc, ces Thomas, c'était à André Glucksmann. Parce qu'André Glucksmann était un des rares intellectuels français à avoir dès le début alerté. Et puis nous avons eu les atrocités sans nom du 11 septembre, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, et on a oublié. Il y avait eu à cette époque une indignation, mais cette indignation est très vite retombée. Et aujourd'hui, quelles sont les réactions? Alors, on, enlève quelques, on, de, on renvoie quelques personnes des ambassades après l'assassinat d'Escripal, après euh, également les révélations sur euh, l'explosion volontaire par des agents russes euh, du dépôt de munitions de Vrepticé en République tchèque. Mais est-ce que c'est à la mesure On laisse propager des opérations de désinformation massive. On laisse aussi, c'est un sujet que je garde un peu pour plus tard, mais je voudrais le mentionner dès à présent. On laisse également des entreprises de corruption de grande ampleur atteindre les cercles dirigeants, les cercles économiques, certains milieux de la presse, même dans les pays occidentaux, et je vais vous le dire, en toute légalité. Et le vrai problème, c'est bien que l'État russe... Use de cette légalité, de cette permissivité chez nous d'un certain nombre de pratique pour semer le désordre, semer le trouble, acheter tous ceux, toutes celles qui sont achetables. Et je crois que Navalny, de ce point de vue-là, avait vu juste lorsqu'il a lancé sa fondation anticorruption. Parce que la corruption est un des instruments, un des outils de guerre du régime russe contre les démocraties libérales et occidentales. Je crois que si nous n'avons pas la perception de ces armes multiples que le régime russe sait utiliser, veut utiliser, utilise de manière de plus en plus forte, avec des intimidations massives. Dans l'un des numéros de Descrusi, j'ai parlé, je permets, si vous me autorisez, d'y renvoyer cet article, un article sur le procès de Catherine Belton devant une cour de Londres. Catherine Belton était la correspondante du Financial Times en Russie. Elle a écrit un livre que je vous recommande, qui pour moi est un des livres les plus essentiels à lire pour comprendre ce qu'est le régime russe, qui s'appelle Putin's People. Je suis désolé, il n'est pas traduit en français, mais les gens de Poutine, l'entourage de Poutine, qui décortique depuis l'origine, depuis les années d'ailleurs de Poutine à Dresde, comme agent du KGB, le lien direct entre ce régime les milieux du crime organisé et les services spéciaux. Donc vraiment, je vous recommande ce livre euh, parce que Catherine est attaquée par quatre oligarques russes et une société d'État russe, Rosneft, devant une cour de Londres. Et c'est une action d'intimidation qui est absolument inacceptable. Car c'est aussi cela que veut la Russie. Je parlais de ce silence tout à l'heure. et de notre responsabilité. L'État russe veut nous rendre en quelque sorte silencieux, nous obliger à ce silence, nous empêcher de parler comme il empêche de parler en emprisonnant, en assassinant, en empoisonnant chez lui ceux qui lui résistent. Et je crois que nous devons absolument briser ce silence. Et nous devons permettre, et ça c'est un sujet légal, nous devons permettre à ce que ceux et celles qui parlent de ce qu'est le régime de Poutine aujourd'hui ne soit pas réduit à craindre une justice qu'elle peut, la Russie de Poutine, instrumentaliser.